Le RNDT Le Réveil s'implante dans la commune du 5e arrondissement. C'est le secrétaire national à l'organisation, à la sensibilisation et l'animation d'études du parti, Mbaye Gualmen Sébastien, qui a officiellement installé le bureau de la sous-fédération RNDT Le Réveil de cette commune, dirigée par Mme Dioré Didibé Sébéka. Au même moment, il a été procédé à l'installation du bureau du Rassemblement des femmes démocrates et des jeunes du parti. Le président du comité d'organisation Abakar Guida Saleh souhaite voir le parti remporter les prochaines législatives et communales dans cette circonscription. Installant ses bureaux, le secrétaire national à l'organisation, à la sensibilisation et à l'animation politique du RNDT Le Réveil a donné quelques orientations à ses camarades. Je suis sûr que vous allez hisser très haut le flambeau de notre cher grand parti dans cette circonscription. Le bureau exécutif, par ma voix, vous exhorte à vous retrousser les manches, à affûter vos armes de combat, celles du combat d'idées, du projet de société qu'incarne le RNDT Le Réveil, afin de convaincre et de persuader l'ensemble de la population ndjaménoise à adhérer massivement à ces combats justes et nobles. La présidente de la sous-fédération RNDT Le Réveil a pour sa part pris des engagements. J'accepte cette lourde responsabilité avec toutes les conséquences qu'elle comporte. Car elle n'est pas un signe de gloire ou de prestige. Pour relever les défis, la présidente de la sous-fédération appelle ses camarades à l'unité et à la mobilisation.